Aimé Césaire, le poète prophète, écrit par Kiddy Bébé, illustré par Isabelle Callin. Au début du XXe siècle, le soir du 26 juin 1913, un bébé naît sur l'île française de la Martinique. C'est le deuxième enfant de Marie-Félicité et Fernand Césaire. Les deux parents sont très heureux, ils appellent leur fils Aimé. Très tôt, maman Nini, la grand-mère d'Aimé, lui raconte beaucoup d'histoires. C'est elle qui lui apprend à lire. Et quand Aimé commence à fréquenter l'école, il devient très vite un bon élève. Il aime jouer au football avec ses copains, mais les livres lui plaisent encore plus. Aimé est maintenant un jeune homme. Il va au lycée Victor Schœlcher à Fort-de-France. Il lit et travaille tellement qu'il devient l'un des meilleurs élèves. Il passe brillamment son baccalauréat et le gouvernement lui donne de l'argent pour continuer ses études. Mais pour cela, il doit quitter tout ce qu'il connaît et aller étudier à Paris. Le cœur d'Aimé se serre en ce jour de septembre 1931 où il prend le bateau pour partir. Il n'a que 18 ans. Ce voyage est pour lui une grande aventure. À Paris, le temps de septembre n'est ni très beau ni très chaud. Les feuilles tombent des arbres, la pluie est froide, aucune importance. Aimé ouvre grand les yeux. Il veut tout découvrir. La tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, le musée du Louvre, le jardin du Luxembourg. Pas loin de ce grand jardin se trouve le lycée Louis-le-Grand. C'est l'endroit où il va faire ses études pour devenir professeur. Dans son nouveau lycée, Aimé étudie le français et les grands écrivains. Il fait aussi la connaissance d'autres élèves. L'un d'entre eux s'appelle Léopold Sédar Senghor. Il vient du Sénégal et il est noir comme lui. Être noir à Paris, ce n'est pas facile à cette époque. En France, les noirs ne sont pas nombreux. On les regarde avec curiosité. Certaines personnes racistes pensent qu'ils ne sont pas des hommes intelligents mais des sauvages. Césaire, Senghor et leur ami Damas sont indignés. Ils ne veulent plus qu'on les dévisage. Ils ne veulent plus qu'on les traite de nègres. Ils décident d'utiliser cette insulte pour la transformer. Avec le mot nègre, ils inventent la négritude. Ce nouveau mot dérange les gens. Mais pour Césaire et Senghor, il est comme une arme et une armure contre les racistes. Et une célébration de la culture africaine. La négritude est une façon de dire que les Noirs peuvent être fiers d'être Noirs et qu'ils sont aussi importants que les Blancs. Dans leur pays, les Noirs ont des ancêtres qui ne sont pas des Gaulois. Ils ont des musiques qui ne ressemblent pas à la musique classique d'Europe. Mais ils sont avant tout des hommes comme tous les autres hommes. Depuis toujours, Césaire aime les mots et les livres. Un jour, en pensant à la Martinique, il se met à écrire un long poème. Il parle de son île et raconte la peine qu'il a dans le cœur. Césaire a 26 ans quand son poème devient un livre intitulé « Cahier d'un retour au pays natal ». Le livre est un immense cri. Tous ses lecteurs sont touchés et le trouvent magnifique. Plus tard, Aimé Césaire est élu maire de Fort-de-France et député de la Martinique. Il fait construire des logements, des écoles, un égout, des hôpitaux. Quand il meurt à 94 ans, tout le monde pleure Papa Césaire. Car il était un grand poème et un grand homme, comme un prophète qui a rendu les gens plus forts avec ses mots.